Bonjour à tous. En vue du grand nombre de patients que je rencontre en consultation, des consultations toutes reliées à des souffrances psychiques plus ou moins perçues, en tout cas, des maux tous différents les uns des autres, je dois vous avouer qu'en grattant peu à peu, et toujours en consultation avec mes patients, j'en arrivais à dresser un diagnostic, mais aussi à relever tout simplement que différents maux étaient très souvent reliés à un manque de confiance en soi, dans la majorité des cas. Parce que je suis votre psychologue préférée, mais de plus parce que je suis experte en confiance en soi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner ma définition concrète de la confiance en soi. Avant de parler de confiance en soi et de solutions, je pense que nous devons voir ensemble la définition de cet intitulé tant utilisé dans notre quotidienne de vie, mais aussi qui reste assez abstrait. Avant de vouloir traiter ce sujet, il faut déjà avoir une description et la bonne définition de cette thématique. Oui, car souvent quand je pose la question en consultation, est-ce que vous connaissez la définition de la confiance en soi? Eh bien, là j'en entends des vertes, des rouges et des pas mûres, croyez-moi. Alors, concentrons-nous sur le but réel de cette vidéo. Plus banal que cela puisse paraître, la confiance en soi est tout simplement et rien d'autre que la perception que vous avez de vous-même. La perception que vous avez de votre capacité ou incapacité à gérer une situation ou un événement qui se présente à vous. La confiance en soi, autrement dit, peut être définie simplement comme le jugement que vous avez de vos propres compétences et de votre personne. Sur le plan comportemental, elle conduit à l'art du camouflage, dont les manifestations sont l'inhibition, l'indécision, la procrastination et l'évitement. Sur le plan émotionnel, le manque de confiance en soi se traduit par une tristesse liée à la dévalorisation, de l'anxiété qui est liée à la peur de ne pas être à la hauteur et enfin de la honte qui est très clairement liée au fait d'être mal jugé par les autres. Elle se nourrit de notre peur et n'oublions pas que la peur ce n'est qu'une émotion. Ajoutez à cette émotion négative le fait d'être dur avec soi-même et de considérer son incapacité. Dans tous les cas, cette vision négative que vous avez de vous vous aidera juste à développer un gros manque de confiance en vous. Il faut retenir que la confiance en soi n'est pas quelque chose d'automatique pour tout le monde. Pour certains profils psychologiques, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert et qui s'entretient. D'une manière périodique aussi, on peut être confronté à un manque, en tout cas à une perte de confiance en soi, et la retrouver en fonction des environnements et des étapes que l'on traverse dans sa vie. Dans un cas extrême, certains sujets le subissent quotidiennement car ils n'ont jamais cherché à travailler pour pallier à leur manque de confiance en eux. Il faut savoir que le manque de confiance en soi, c'est un mal qui est assez répandu aujourd'hui dans notre société actuelle. Tout individu de cette même société peut être amené à rencontrer au moins une fois de sa vie ce fameux manque de confiance. Et ça de manière ponctuelle ou de manière régulière dans d'autres cas. Toute origine, toute classe sociale, tous les genres, donc hommes comme femmes, il faut savoir aussi que toutes les générations peuvent être touchées par ce manque de confiance en soi. Donc aussi bien les enfants, les adultes et même les seniors peuvent être touchés par le manque de confiance. On sait que la confiance en soi est notre meilleure ressource pour être heureux, et ça sans limite. Oui, il serait difficile d'envisager l'existence même les relations humaines, des rapports de travail, jusqu'à l'amitié ou bien même l'amour, sans confiance. On ne pourrait même pas envisager l'avenir et chercher à bâtir un projet concret qui se développerait avec le temps. Donc face à cela, je pense qu'aujourd'hui, il est plus que jamais, surtout dans la société actuelle dans laquelle on est, il est donc même primordial d'avoir confiance en soi. Car cela va vous donner le pouvoir d'affronter des situations ou des événements qui vont se présenter à vous. Exemple,
Oui, je vais vous en citer des exemples. Dans le cadre du travail, en pleine réunion, peut-être une prise de parole ou de décision, tout simplement. Ou bien même en public, assumer de manière ferme ses choix et les défendre. Donc défendre certaines visions, certains projets dans le cadre familial. Faire des choix, amener des actions concrètes et assumer pleinement ses choix et les défendre. C'est très simple. En fait, lorsque nous avons une idée, un projet en tête, notre mental le regarde et se projette. Il se demande s'il a les compétences et les ressources pour amener à bien ce projet. S'il considère que non, alors là, alerte rouge, il se met en état de panique. Et il nous envoie une émotion qui est l'émotion de la peur. Et là, nous nous laissons très facilement prendre au piège. Entre parenthèses, j'ai envie de vous préciser que est-ce que vous saviez que le fait d'avoir peur, c'est pas bien grave? Bien au contraire. Parce que lorsque nous avons peur, notre cerveau envoie l'énergie nécessaire à notre corps et nous amène à nous aider à mieux nous préparer. Oui, quand nous avons peur à l'idée d'amener à bien un projet, c'est que nous avons besoin d'un plan d'action concret. Et qui dit plan d'action dit je me concentre sur la solution et non sur les pensées négatives. Ces jugements ou ces pensées négatives se résument par ce genre de phrases type que je vais vous citer et qui sont assez graves. Je ne suis pas capable. J'ai beaucoup trop peur. J'ai besoin que l'on m'aime ou que l'on me rassure en permanence. Je me trouve nulle. Je suis incapable ou je me sens incapable face à ce projet. Je dois toujours faire mieux que les autres pour qu'ils valident mes compétences. Je n'arrive jamais à me décider. Je pense et je suis certaine que cela ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera jamais. Les autres valent mieux que moi. Toutes ces phrases type deviennent alors des boucliers derrière lesquels les personnes qui n'ont pas confiance en eux vont se cacher et qui les empêchent malheureusement de commencer une action, en tout cas une action qui leur demande de sortir de leur zone de confort. Le manque de confiance en soi provient aussi de l'impossibilité à vous affirmer, à dire ce que vous pensez ou ce que vous ressentez concrètement, une incapacité à vous défendre et à exprimer vos besoins. Ce fléau a la capacité de se présenter à vous sous différentes formes. Cela peut passer par des blocages ou un genre de frein entre l'envie d'agir et l'envie d'action. En tout cas, ça envoie une émotion inconfortable qui prend place à l'intérieur de vous à un moment instantané. Ces émotions ou blocages peuvent vous freiner dans votre quotidienne de vie ou même dans vos projets personnels comme professionnels. Lorsque le manque de confiance en soi est prononcé et stable, il peut être traité comme une véritable pathologie. Les cas les plus couramment rencontrés sont la phobie sociale généralisée, certaines dépressions, les troubles de l'anxiété dégénéralisés, en tout cas, ou même des conduites addictives comme l'alcoolisme. Je bois pour me donner plus confiance en moi et aborder les autres. Et j'en passe. Attention, il peut ainsi toucher du monde sans être entraîné à la maladie. Donc, cela signifie très clairement qu'il y a des stades plus ou moins pathologiques. Il est possible que vous ayez été humilié, ignoré, blessé, ce qui vous a donné un sentiment négatif au sein d'un groupe ou auprès de votre entourage. Dans la grande majorité, la cause première reste souvent l'enfance. Ils ne sont pas peut-être mal intentionnés, vos parents. Cette vidéo n'a aucunement pour objet de vous amener à leur en vouloir. Donc, il ne faut pas leur en vouloir. Mais leur attitude envers vous, enfant, a eu des effets négatifs sur votre confiance en vous en tant qu'adulte. Ils n'ont peut-être pas su vous encourager suffisamment ou vous offrir un environnement stable. Peut-être trop de violence, que ce soit de la violence physique ou même psychologique, voire trop critique, trop rabaissant, trop d'exigences ou tout simplement trop protecteur. Tout cela ne vous a pas permis de vous libérer totalement et de vous émanciper sur différents points. Il est alors tout à fait normal et logique d'avoir développé une perception négative de vous-même. Si vous manquez de confiance en vous, vous avez peut-être été élevé dans un milieu qui ne vous a pas donné confiance en vous. Votre famille, vos amis, vos profs d'école ou même les médias.
D'autres parents qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux vont transmettre leurs doutes, leurs craintes et leurs hésitations à leur enfant. C'est aussi le cas des parents qui souvent, sans le vouloir, adoptent un comportement ou une attitude qui empêche l'enfant de prendre confiance en lui. Voici quelques situations rigides, récurrentes et prononcées qui détruisent la confiance en soi chez l'enfant. Des parents qui apprennent à leur enfant toujours à faire bonne figure pour plaire aux autres. Regardez ça. Tiens-toi correctement. Décidément, tu es vraiment le garçon le plus maladroit de toute ta classe. Des parents qui sont trop exigeants et attendent beaucoup de leur enfant. Sois parfait. Tu ne fais jamais rien de bien, rien de bon. Tu es nul. Ou d'autres parents qui rabaissent, qui critiquent, se moquent ou ridiculisent leur enfant, les humilient et leur font se sentir inférieurs aux autres avec des remarques dévalorisantes qui mettent l'accent sur leurs défauts ou mettent en cause leur capacité au niveau d'intelligence, ce qui peut très facilement conduire à un complexe d'infériorité. Ou d'autres parents qui font sentir à l'enfant qu'il n'est pas important, que ce qu'il fait n'est pas ce qu'on attend de lui. Tu ne fais jamais rien de bien, par exemple. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Tu es vraiment et décidément un bon à rien. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, les gens? Ou d'autres parents qui ne s'occupent pas assez de leur enfant. Notamment, on peut relever le manque d'amour, l'indisponibilité, ce qui peut provoquer un sentiment d'être inintéressant, voire gênant. Ou d'autres parents qui protègent beaucoup trop l'enfant, ce qui va provoquer en eux un sentiment d'insécurité. Plus tard, ils n'oseront pas, ils auront des peurs. Vous avez d'autres parents aussi qui comparent leur enfant entre eux ou avec d'autres enfants. Tu n'es pas à la hauteur. Regarde ta sœur, elle est meilleure que toi, elle arrive à faire. De toutes les façons, tu n'y arriveras pas. J'abandonne, tu m'épuises. Tout ça, ce sont des discours rabaissants. J'abandonne. Les enfants qui sont victimes de ces parents maladroits, autrement dit parents toxiques, vont difficilement parvenir à croire en leurs valeurs. Ils grandissent dans la peur et ils ont peu de confiance en eux et en leurs capacités concrètement. Adultes, ils vivront dans l'insécurité permanente, avec une anxiété et une tendance à éviter toute situation difficile ou pénible. Souvent, ces enfants grandissent avec une mauvaise perception d'eux-mêmes et sont maintenus dans une timidité maladive. Le manque de confiance en soi peut être aussi provoqué par des traumatismes vécus durant l'enfance et aussi à l'âge adulte. Ici, on parle de abandon, rupture, abus sexuels, maltraitance, agression physique ou psychologique, harcèlement moral, viol, conjoint, maternité, prise de poids, échec à répétition, professionnel. Ce dialogue intérieur négatif détruit nettement, petit à petit, votre confiance en vous. Ainsi, vous êtes constamment en train de vous critiquer vous-même, de vous rabaisser vous-même. Ainsi, vous vous dénigrez, vous rabaissez à longueur de journée. Et ça en permanence. Alors, avec ce schéma, vous êtes condamné à perdre confiance en vous. Dans la majorité des cas, il est difficile de se rendre compte, surtout quand ce mécanisme existe et qu'il est répété depuis l'enfance, sans aucune analyse de soi. J'accompagne donc ma patientèle avec ce cas de figure dans l'auto-analyse bienveillante de soi-même. Prendre le recul nécessaire lorsqu'une émotion inconfortable se présente devant une action ou un moment de prise de décision. Et là, prise de notes. Accepter son émotion. Ensuite, faire l'analyse pour ainsi comprendre réellement ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez? D'où vient cette émotion concrètement? Est-ce que cette émotion inconfortable est fondée ou elle est infondée? Est-ce que c'est bien ceci qui vous bloque? Et on revoit toutes ces prises de notes lors d'une prochaine consultation. L'objectif étant d'améliorer les conclusions et préparer ma patiente à des meilleures perceptions pour des meilleures perspectives. Je vous demande juste de vous reconnecter à vous-même et faire un véritable dialogue avec soi-même. C'est très simple. Et ainsi comprendre et acter ce mécanisme que ma patiente produit inconsciemment.
interrogez-vous. La première étape de votre réalisation va être d'identifier les raisons de son manque de confiance en soi et quel est son élément déclencheur. La seconde étape, et sachant cela, est de passer à l'action pour améliorer sa perception de soi-même. Alors, c'est très simple. On va s'axer sur la perception que vous avez des choses pour que cela puisse être impacté sur votre réalité en un premier temps. Et en un deuxième temps, vous allez vous conditionner, vous préparer à chercher et à trouver les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Et ne plus jamais aller les chercher, ces soi-disant ressources, à l'extérieur de vous-même. Car cela est contre-productif sur la durée. Le passé reste le passé. Commencez par vider vos bagages. Triez-moi tout ça et jetez-moi tout ce qui est inutile et sans intérêt. Reprenez les choses à zéro en améliorant cette vision que vous avez de vos expériences négatives ou difficiles. Transformez-les comme des opportunités qui ont été des véritables réussites parce que vous avez forcément acquis quelque chose à travers ces échecs. Donc, analysez ces situations avec une meilleure vision. En tout cas, une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus recentrée sur l'expérience ou l'apprentissage que vous avez pu acquérir. Posez-vous les bonnes questions, des questions constructives et objectives, en mettant bien évidemment vos émotions de côté. Et peut-être même que cet échec est un moyen pour vous de recommencer différemment, de recommencer en tout cas avec une meilleure base. C'est certainement difficile à faire, je vous crois, mais commencez à apprécier vos échecs. Ce sont vos bagages de vie. Contrôlez et limitez-moi au maximum ces pensées négatives qui ne cessent de vous empêcher d'avancer. Plus je pense négative, plus je produis une énergie négative autour de moi, car je sécrète une hormone, ce qui ne vous aide pas du tout. Fixez-vous des objectifs bienveillants et surtout réalisables sur du court ou du moyen terme. Entre parenthèses, je vais vous expliquer rapidement comment on se fixe un objectif. En un premier temps, on l'écrit. On s'écrit concrètement ce que je fais. Qu'est-ce que je mets en place pour réaliser cet objectif? Quel est le résultat que j'attends de moi-même? Pourquoi je dois réellement me concentrer sur cet objectif? Quels sont les outils qui sont en tout cas maintenant à ma disposition? Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif? Combien de temps je me fixe pour améliorer ou amener à bien cet objectif? Ces questions me permettront réellement de définir au mieux les enjeux et l'importance de ce projet. Et le fait de l'écrire aussi est très bien. Avec cette nouvelle organisation sur agenda ou en rétroplanning, cette méthode vous permettra d'avoir une visibilité sur ce qui est déjà réalisé, ce qui reste à faire, et ce qui doit être planifié sur les jours ou les semaines à venir. S'apprécier et apprécier la personne que vous êtes devenue à travers vos victoires, mais aussi vos échecs, qui ont été actés au préalable d'une perception positive. Revoir son niveau d'exigence, pas forcément à la baisse, mais en tout cas, être plus indulgent avec soi-même. Lister ses qualités et ses victoires de manière à conscientiser et faire un inventaire de tous les aspects positifs et constructifs que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, vous y verrez que vous ne valorisez pas assez, voire pas du tout, la personne que vous êtes et toutes vos caractéristiques et composants que vous possédez.
Aimez-vous, encouragez-vous, félicitez-vous, récompensez-vous, complimentez-vous, soyez optimiste avec vous-même. Restez recentré sur le fait que on ne peut pas tout avoir ou être la meilleure partout. Retenez simplement que vous êtes en plein travail pour développer ce qui paraît important et essentiel pour vous. Sortez, sortez et sortez de votre zone de confort. Osez le changement. Sortez de votre zone de confort. Osez dire non à quelqu'un et assumez cette sensation. Votre système nerveux doit associer plaisir au changement. Créez du confort grâce à l'inconfort et à la nouveauté. Je dis simplement que parfois, c'est normal d'avoir à s'accrocher, d'avoir à faire des efforts et des erreurs aussi par la même occasion. Quand on veut réaliser un projet ou un rêve, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Si on vous regarde droit dans les yeux, ne baissez plus jamais les yeux, ne détournez plus jamais la tête. La communication ne passe pas uniquement dans les mots. Votre langage corporel, communication non verbale donc, parle pour plus de 80% pour vous. Vos attitudes, votre comportement, vos éventuels tics et gestes nerveux en disent parfois bien plus que les simples mots. Pour reprendre confiance en vous, vous devez retrouver une bonne estime de vous-même. Là, je pense que vous l'avez très bien compris. Il est aussi important de rencontrer des nouvelles personnes et de communiquer en tout cas avec elles. Le sport est un excellent moyen et en plus une belle opportunité qui regroupe toutes ces conditions. Vous vous sentirez mieux dans la peau. Vous allez apprendre en tout cas à vous dépasser. Et à chaque petite victoire, vous saurez vous rassurer quant à vos capacités. Même si l'adage affirme que l'habit ne fait pas le moine, la première impression qu'une personne se fera de vous, ce sera là, basée sur votre premier contact visuel. Il est possible de projeter un sentiment positif en vous habillant avec des vêtements qui relèveront votre potentiel. C'est encore mieux dans lesquels vous êtes à l'aise. Au début, tout cela paraîtra très difficile. Ça va paraître insurmontable. Mais au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure que le moteur sera élancé sur ce mécanisme, vous verrez que vous allez prendre un véritable plaisir à mettre tout cela en place. Nouveau, souriez plus, générez des émotions positives en vous. Cela a des véritables impacts positifs. Créez des signaux neurologiques qui vous aidera à générer une énergie positive autour de vous. C'est donc avoir un rythme de vie agréable et de plus être acteur de sa vie en se conditionnant à avoir confiance en soi, telle une pièce de théâtre dans la vie réelle. N'écoutez pas
ce que vous disent les autres, sauf si cela vous fait du bien, car tout ce qu'ils vous diront ne vous concerne pas dans tous les cas. Sentez-vous libre de vous confier aux bonnes personnes, celles qui sont optimistes, celles qui sont joyeuses et courageuses. Limitez au maximum le contact avec les personnes négatives ou les personnes non ambitieuses, car ils feront écho à votre mental de leur négativité. Allez chercher du soutien, des conseils auprès des personnes qui ont fait ce que vous souhaitez faire, auxquelles en tout cas vous arrivez à vous identifier en phase de projet. Des gens qui vous inspirent, des professionnels. Lisez des biographies, regardez des documentaires. Entoure-toi de belles paroles et de paroles inspirantes. Voici mes 15 points. Dans tous les cas, prenez courage. Améliorez votre physiologie. Je ne dis pas que ce sera super facile. Je ne dis même pas que votre rêve se réalisera forcément. Je dis juste que si vous ne faites rien aujourd'hui, c'est sûr à 100% qu'ils ne se réaliseront pas. Et que votre manque de confiance sera là, en permanence. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose que l'on se répète à soi-même. À mon échelle, donc pour moi, je pense que l'accompagnement psychologique et psychothérapeutique sont vraiment les meilleurs outils pour pallier au manque de confiance en soi. Après, il faut savoir que vous avez des alternatives qui peuvent être très intéressantes, notamment la sophrologie, l'hypnothérapie ou bien même des coachs de vie qui vont vous accompagner dans ce projet. En tout cas, choisissez bien votre professionnel, car avec votre aide et seulement avec votre aide que cette personne va opérer des changements dans votre vie. Donc vous avez tout intérêt à ce qu'il soit à votre convenance et à votre image. Mais bien sûr que non, parce que le manque de confiance en soi ne serait qu'une erreur de perception, comme je l'ai suffisamment dit plus tôt dans la vidéo. Titre conclusion. Vous connaissez maintenant les principales causes du manque de confiance en soi. Vous avez aussi des solutions ou des méthodes pratiques pour lutter contre votre manque de confiance. La confiance en soi, c'est quelque chose d'important et qui se travaille au quotidien. On en a besoin que ce soit pour le travail, pour la vie privée, la vie de couple, l'éducation des enfants. C'est un travail permanent que nous faisons tous en fait, mais à des niveaux différents. Une solide confiance en soi ne doit absolument pas dépendre de l'approbation des autres, ni des performances des autres. Si le manque de confiance en soi est très fréquent, il n'est pas fatal. Tous ces points sont à votre disposition pour vous forcer à sortir de votre zone de confort et ainsi réaliser vos rêves et vos projets petit à petit. Plus je me donne les moyens pour être à l'aise, plus je suis à l'aise, quel que soit l'environnement. Et ne restez absolument pas focus sur le résultat à court terme, mais plutôt sur votre implication jour par jour et retenez bien le chemin parcouru. N'oubliez pas que vous n'avez absolument rien à perdre, mais plutôt tout à gagner de mettre en place ces 15 actions. C'était Assad Jelou, je vous souhaite une très belle continuation et ayez confiance en vous.